Yo tout le monde, c'est Jgamer pour une nouvelle vidéo sur Terraria. Et oui, ça date de très très longtemps. Je rigole de pas très très longtemps non plus. Sur Terraria, c'est... Là, je suis extrêmement content car je viens de réussir de battre le squelettron. Voilà pourquoi j'ai ce masque horrible sur ma tronche. Je le trouve quand même assez beau parce que c'est quand même un truc. Hein. Alors, attendez deux secondes. Non. Hop. Voilà. Tac, tac, tac. Et j'ai un petit truc qui me suit et qui fait vachement mal, regardez. Boum. Je m'éclate. Alors, je l'ai tué, et oui, avec un putain de fusil à pompe et des balles météorites qui... En fait, les balles météores, c'est assez pratique parce que, en fait, par exemple, si vous tirez sur les murs, et ben ça revient, c'est un peu des balles rebondissantes, ça c'est bien fait. Hop, 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 et c'est bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait ici, mais c'est pas grave. Alors, on va visiter le donjon. Et ouais, le putain de donjon. Bah, vous voyez le truc quand même. C'est. Waouh! C'est. Waouh! C'est. C'est surtout waouh. Plus que waouh. Waouh. Extrêmement waouh. Bon, déjà vu. Maintenant, vous allez arrêter de me péter les couilles. Parce que moi, j'ai un fusil à pompe. Hein. Et aussi, j'ai un lance-fusée. Et ouais! Mais après, ça reste indéfiniment. Fait chier. Je suis trop beau comme ça, soit que squelettron. La tête du squelettron, j'aurais jamais cru que je l'aurais dès le début. Hein. Masque du squelettron. Ceci est magnifique. Non, je vous assure, beaucoup d'émotions. Non, je rigole, mais sérieusement, j'aurais pas cru que je l'aurais eu tout de suite. Alors, comme vous voyez, je suis assez... un peu élevé maintenant parce que, comme vous voyez, casque météore, tout météorite, hein. C'est waouh, c'est surtout waouh. Alors, je voulais annoncer un petit truc, mais je le ferai en une seule vidéo. C'est pour les 200 abonnés, j'avais une petite idée, et surtout qu'on me l'a donné et qui est assez sympa, c'est de faire une FAQ. Tout le monde sait qu'est-ce que c'est une FAQ, c'est une foire à questions, voilà, voilà, voilà. Et je pense faire ça dès que j'aurai 200 abonnés, et je pense qu'on va y arriver, je pense, cette semaine, je pense. Je suis pas sûr parce qu'on est passé, on est à 95 abonnés là, en ce moment, là où je vous parle. Alors, plus que 5 abonnés, voilà. Et je ferai une petite FAQ pour répondre à toutes vos questions, qui soient insultantes, parce que j'ai eu des messages, putain, mais qu'est-ce qu'ils sont insultants. Et d'autres, ça va. Encore. Ah, celui qui vient de se connecter, qui est maintenant en ligne, joue avec moi sur Terraria, il est vachement sympa. Peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo avec lui, on sait jamais. Voilà, voilà. Alors, petite FAQ dès qu'on aura les 200 abonnés. Mais je dirai ça dans une autre vidéo parce que Terraria, moi j'adore faire des vidéos dessus, mais le problème, il y a plein de gens qui aiment pas regarder Terraria. Alors maintenant on peut enfin rentrer. Avant on pouvait rentrer, mais le problème, il avait un gardien de donjon et il nous one shot d'un seul coup. Et maintenant il est hors ligne. Merci. Alors on y est. Ça pique. Alors il a des coffres un peu partout et des coffres, donc il faut des clés là, comme vous voyez, des clés en or. Je sais même pas si j'ai des clés en or. Non, j'en ai pas. Faut casser en fait les vases. Alors il y a beaucoup de pièges en tout cas. Et la porte elle est trop beau. Ah putain. En fait, tu vas pas me faire chier parce que les magiciens, c'est bon. Hein. Ah, la mécanicienne.
Ah ça super. Pouvoir mettre des câbles, tout ça, pour faire des plein de trucs. Et avec le Spigen, je me rappelle plus comment il s'appelle. Elle s'appelle et c'est dans le hard mode après. Et je pourrais construire des téléporteurs ou même là je peux construire des pièges. Comme ça, pas d'ennemis qui rentrent. Ah, j'ai une clé dorée. J'ai plus besoin de cœur. Ah, une autre clé dorée. Alors, voyons voir ce qu'il y a. Alors, ça, on prend. Grâce à ça, là, comme vous voyez, je peux me faire l'épée la plus forte avant le hard mode. Je viens de me faire dégommer, mais bon, pas grave. Hop, hop. J'ai 10 pièces d'or, il faut vraiment que je fasse gaffe, par contre. Je dis qu'il faut que je fasse gaffe, je suis à craindre de me faire taper en même temps. Je dis rien. Casse-toi! Oh! Putain, mais c'est des malades! Ouh! Ouh! Comment ils me foncent dessus, c'est trop marrant. Alors, j'ai pas d'autres clés dorées. Bon, bah. Poursuivons sans nous faire buter par la roue de feu. Malheureusement, les roues de feu, ce qui est chiant avec eux, c'est qu'elles sont invincibles. Et si je vais dans les pics, ça va pas aller non plus. Regardez-les, c'est des malades. Alors, un mécanicien vient de se mettre. Putain, c'est des malades. Il me reste encore des pièces, c'est déjà bien. Donne-moi 1000 pièces. Alors, faut que je regarde parce que Cyril, c'est qui Cyril? Ah bah, le tailleur qui peut me donner des vêtements. Et ouais, il est sympa. Hein. Il est sympa ce putain de tailleur. Hein. Hop, hop. Alors le tailleur, ça sert à quoi? Bah, donner des vêtements. Et oui, des swaggy vêtements. Eh, oh. Je suis là. Et oh. Putain. Le tailleur! Il a encore ma fusée. Qu'est-ce que tu fous sur ma pyramide, mec? Oui, je m'emmerdais. Alors, j'ai fait une pyramide. Alors, je sais qu'avec ça, on peut faire un costard. Ça, je m'en rappelle plus, mais moi... Je voudrais plus tard avec des graines de champignons, je crois que je peux faire ça. Bleu, je peux me faire un... Ah oui, je peux me faire un costume un peu de Link Zelda, mais en version violet, vu que ils veulent pas faire de la pub pour console Nintendo. Sur ordinateur, on trouve le costume en vert. Après, si... C'est dommage qu'on peut pas mettre en version Halloween parce qu'on peut gagner des petits costumes dont un costume que beaucoup de gens qui jouent à Minecraft vont adorer qui s'appelle le Creeper. Et oui, on ressemble à un putain de Creeper. Et ouais, et ouais, et ouais. Allez, on y retourne. Let's go. Je crois que je vais me faire encore. Moi, ouais, de toute façon, je sors le fusil à pompe. Hein, ça va plus aller. Hein. Le Pisto Boom. J'adore le nom. Le bruitage tellement bien fait. Oh, c'est magnifique. Ah oui, aussi j'ai un tapis volant, mais ça je crois que vous le savez déjà. Ah oui, dès que j'ai eu encore la guerre avec ces putains de gobelins. J'en ai pas eu d'autres depuis, parce que ça fait assez longtemps que j'ai pas joué en fait. Au revoir. Oula. Tiens toi. Grâce à, en fait au scout gobelin, parce que en fait lui fait pas partie de l'armée, avec les vêtements en lambeaux, et bah si j'en ai 10, je peux faire une coupe de gobelins, et après bah je peux les faire invoquer. C'est cool hein. Tout ce qu'on peut faire. Oh là là, c'est tellement magnifique. Dommage que ça la version ordi a plus de choses que les versions console et téléphone, parce que et oui, on peut créer des cocktails Molotov. Eh ouais.
Ceci n'est pas une blague. Ils peuvent réellement foutre des cocktails molotov. J'allais pas me faire chier déjà. Alors comme vous voyez là le coffre, je pourrais l'ouvrir que en version hard mode dès que j'aurai un moule clé, un mouleur de clé version cramoisie. En fait il faut que je tue, j'ai une chance sur 10 000 d'avoir ce moule en tuant des ennemis dans le cramoisie. Putain mais cassez-vous! C'est pas possible! Je me suis fait démolir. Oh là là. Je suis un malade sur cette musique. Petit pas petit. J'ai été ralenti. Oh, attention. Accélération. DigiGamer prend la route. Oh là là. Il va arriver premier. Oh là là, c'est magnifique. Oh là là, il arrive. Oh, bah il s'est fait arrêter. Allez, dernier essai. Essayez de choper des trucs dans les coffres. Vous savez, à force de jouer à ce jeu, on connaît la musique, mais par cœur, par cœur, par cœur, par cœur. Tellement par cœur que... par cœur. En fait, c'est les pics qui font le plus mal. Hein. Même pas les squelettes, c'est les pics. Ah, j'ai une baguette magique. Une baguette pour les os. Ça sert un peu à rien parce qu'en fait, vous voyez les os, tous les os que je gagne, et bah en fait c'est pour les faire, pour les placer en fait, pour faire des murs en os. Voilà. Regarde, peu qui sert à rien, mais bon, ça pourra quelque chose. Je sais pas quoi, mais. Ah! Ça m'intéresse, un slim du coup. Mais non, mais c'est pas possible, mais non! Alors, un slim du donjon, en fait, c'est. Il garde les clés, en fait. Voilà. Bon bah c'était tout pour cette vidéo, je vous dis à très très vite tout le monde et peace les gens. Oui, peace les gens. Peace.